C'est l'un des principaux témoins dans cette affaire. André habite dans cette impasse où la voiture de Lessine Ravel a été retrouvée au lendemain de sa disparition, ici, au coin de ce hangar, tous phares allumés. La veille, ce retraité dit avoir entendu deux véhicules passer dans l'allée et quelques jours plus tôt, avoir aperçu devant chez lui une voiture d'un modèle identique à celle du mari de la disparue. La nouvelle de sa mise en examen pour meurtre sur conjoint n'a donc pas surpris ce témoin. Depuis le début, ça nous paraissait comme étant une évidence. Une disparition, absence de corps, hein, la présence potentielle mais quasi certaine donc, du mari sur les lieux. Le fait aussi qu'il n'ait pas réagi, qu'il n'ait pas donné l'alerte, hein, c'était quand même un indice qui était très négatif pour lui. Des éléments jusqu'ici insuffisants pour étayer la thèse d'un féminicide. Mais lundi, l'enquête a manifestement rebondi en ce sens. Des fouilles ont été menées autour du domicile de la famille et dans l'après-midi, le mari de Lessine Ravel a été placé en garde à vue. Il s'explique sur les faits. Il n'a aucunement eu l'intention d'éluder une question quelconque. Donc il donne sa version qui est la sienne. Et puis, malgré les conditions très difficiles, particulièrement éprouvantes en fait, du déroulé de sa garde à vue. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, cet homme de 45 ans, père de deux adolescents, a été placé en détention provisoire. Un choc pour les 225 habitants de la paisible commune de Lascaux et pour son maire, rattrapé par cette nouvelle au beau milieu de ses vacances. Ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a deux enfants, deux adolescents, 14 et 16 ans aujourd'hui, à qui on doit la vérité. Voilà. À qui on doit dire ce qui s'est passé, qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, avec tous les moyens, tout ce qu'il y a, qu'on ne puisse pas dire ce qui arrive à leur mère. Le corps de Lessine Ravel n'a toujours pas été retrouvé. Après deux ans et demi de questions sans réponse, le village de Lascaux attend désormais la vérité.